جزء لا يتجزأ من برنامج جبهة المستقبل. العديد ربما من المشاكل اللي تتخبط فيها الجالية، خاصة عندما نتحدث عن المغتربين في فرنسا، ما هي ربما أهم الخطوط العريضة لجبهة المستقبل لجاليتنا في فرنسا؟ أول نقطة أود أتكلم على المشكل العويص اللي عندها الجالية الجزائرية بفرنسا، وهو مشكل فتح الحدود والرحلات إلى الجزائر. وهذا مشكل كبير، يعني نلقاه في كل حين وفي كل مكان. كل الجزائريين يتكلمون على المشكل العويص يواجهوه، وعندهم يعني ما مش فاهمين واش صرا، مش فاهمين هذه الأشياء هذه اللي سمعوا بها واللي قروها. هذا مشكل كبير للعائلات الجزائرية. أنا عارفوا باللي عندهم عامين ما شافوش والديهم، ما حضروش للدفينات على عائلاتهم، ما شافوش بلادهم، ما شافوش القرية تاعهم، ما شافوش عائلاتهم. و du jour au lendemain, on leur dit oui, il y a ouverture des frontières, mais il y a des conditions qui sont très difficiles et compliquées, complexes même pour toutes les familles algériennes. Je voudrais attirer l'attention sur ce point précis. احنا درنا اقتراحات، درنا خمس اقتراحات. يعني pour avancer dans ce contexte très difficile pour la communauté, et je peux le résumer très rapidement. C'est mettre en place un pont maritime pour pouvoir transporter le maximum de gens qui seront en Algérie. Le deuxième point, c'est élargir et augmenter le nombre de vols en partance pour l'Algérie, ouvrir les aéroports, plus grand nombre d'aéroports en Algérie, pour diminuer les frais d'acheminement de ces familles vers leur village ou leur ville. Le troisième point concerne nous proposons d'intégrer le système sanitaire européen au système algérien pour que les Algériens ne font pas un double test PCR à Paris, deux heures après un test PCR, un confinement de cinq jours, et puis un autre test, c'est beaucoup, et surtout à la charge. L'hôtel et les frais sont à la charge de nos compatriotes. هذا من جهة pour les gens vaccinés puisqu'ils sont vaccinés ici, pourquoi ils font le test PCR en Algérie? Normalement ils sont dispensés, c'est le principe, c'est la base du système de vaccination. Voilà. طيب سيد حاج ولجا، كيف نجعل من الجالية، ما دام انك مترشح للمجلس الشعبي الوطني، كيف نجعل من الجالية قوة اقتصادية وكذلك العديد من المشاكل، يعني يجب أن يشاركوا في بناء الجزائر الجديدة؟ نعم، هنا في فرنسا كان أكثر من 5 ملايين جزائري، وهذه قوة كبيرة فيها كل الطاقات، فيها كل الكفاءات من المهندسين والأطباء، يعني كل tous les métiers, tous les corps de métiers sont représentés. Et ça constitue une force. Et ces gens-là, ils sont dévoués, ils veulent accompagner le développement de leur pays. Ils ne demandent que ça. Il ne faut pas penser à la diaspora algérienne uniquement lorsqu'on veut former une équipe de football. Il y a toutes les expertises pour pouvoir donner un coup de main à comprendre l'Algérie. Et en plus, ils ne veulent que ça. Je n'ai jamais rencontré rien qui dit non, je ne veux pas aider. Donc il faut que les choses, que le gouvernement puisse ouvrir les possibilités à ces Algériens pour qu'ils puissent. Et moi je propose, si la communauté algérienne me fait confiance, de proposer des lois qui facilitent l'accès de cette diaspora à tous les domaines de développement en Algérie, que ce soit l'énergie, que ce soit le transport, que ce soit le système éducatif. Nous avons des professeurs, de grands professeurs qui sont formés dans de très grandes universités. Nous avons des ingénieurs qui travaillent dans très grandes entreprises et ils sont reconnus ici en Algérie. Nous avons plus de 1000 start-up
ici en France, qui sont détenus par les Algériens. Et le rêve de cette communauté, c'est de pouvoir investir, aller en Algérie, investir et aider ce pays à retrouver sa place de leader africain. Voilà ce que je peux dire sur ce sujet-là. Donc, si mes compatriotes me font confiance, je travaillerai dans ce contexte-là pour émettre des propositions, participer à la rédaction de lois qui puissent leur permettre de faciliter ce travail-là. Et j'invite la communauté aussi à faire davantage, à prendre en charge ces élections et prendre en charge le développement de ces secteurs-là. Dans le milieu associatif, je suis président d'une association qui fait plus de 3 500 personnes.